Eh ben, je vais te le dire, je vais tout te raconter. L'enchaînement qui a fait que je suis arrivé là. Et surtout, comment je m'en suis sorti. Il y a déjà un bail qui savait débarquer, ces deux gars. Impossible de dire comment ils m'ont retrouvé, mais il n'y a pas de doute. Ils savaient qui j'étais, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Je te plante le décor, un garage glauque, musique angoissante. Ces types avec des sales tronches, des faces de pourris prêts à tout pour obtenir ce qu'ils cherchent. Ils ont une menace de corruption et capables d'éliminer n'importe quel pèlerin qui traînerait dans leurs pattes. Alors roule bien tes aides gourdes, parce que je vais pas répéter. J'ai pas le temps de réfléchir, je dois agir. C'est eux ou moi. Imagine, ces deux types arrivent, sans bruit, et me balancent sur le bide. Tu me lis un passeport. Je déconne, arrête de rêver, gros. Racontez comment ça s'est vraiment passé. Ça a commencé un matin, alors que j'étais complètement paumé. Et là, je l'ai vu arriver. Il était beau, il marchait lentement. Le vent flottait, la lumière irradiait de son visage. J'ai su que c'est lui qui allait m'apprendre à devenir un professionnel. Car il est de ces rencontres incroyables, ces rencontres qui nous transforment, où nul mot n'est nécessaire. Juste sentir la présence de l'autre, sa chaleur. Il m'a dit attention, mon enseignement ne consistera qu'en quelques leçons. Et voici la première. Non mais dis donc, vous c'est pas... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ma vache! C'est ma... Tu touches pas ma vache, là! Un peu de respect! Dégage! Dégage de là! Viens voir! Ouais, maître! Qu'est-ce qu'il y a? Passe devant! Ouais, je suis tout noir en bas, là! Putain! Pas de blague. C'est Sylvain qui m'avait dit, vous connaissez R.E.C. ça et non? Bonjour maître, on peut faire des bisous? Que dalle. 1, 2, 3, 4, c'est clair? 1, 2, 6, B4, C12, K, 18. C'était pas le... Enfin, oui, j'ai compris. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 22. 1, 2, 3, 24. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 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 Non, mais moi j'en ai marre, quoi. C'est pas drôle. Allez, des claques, j'en prends tout le temps. Mais des petites. Non, tout à l'heure... Petites, les claques. Non, elles étaient grosses comme ça. Des petites, toutes petites minuscules. Non, elles étaient grosses, quoi. Et alors, moi, je... J'en ai marre de prendre des baffes. Comme ça, ça c'est gros pour toi, c'est petit, je te dis. Petites claques, ouais, toutes petites. Ouais, c'est bon, les petites. Comme toi, petites. Thank you.
Eh hey. Conséquent. Ouais, tout petit. Aïe. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ton cerveau aussi est petit. Aïe, aïe. Fais très très attention. Pourquoi il y a des serpents, il y a des trucs Non, non, il y a des escaliers. Ouais, super, c'est dangereux ça. Oui, on peut tomber et se faire mal. Maître, juste une question comme ça là, c'est... Pourquoi vous m'emmenez là Ta gueule, inspire-toi, observe. Ouais, mais il n'y a pas de toit, il n'y a pas de mur. C'est quand même hyper chelou, quoi. Moi, je veux dire, il braque comme ça, j'en veux pas. Il y a le vent qui passe. Limite, moi, j'ai froid dans le dos, là. En plus, il y a un truc... Tu sais qu'il y a une raison à tout. S'il n'y a pas de toit ni de fenêtre, c'est pour une bonne raison. Laquelle? Tu ne sais pas, je vais te le dire. Pour faire des courants d'air. Courants d'air? Explication. Ouais, non, mais là, moi, j'ai froid. Et puis, en plus, il y a un truc qui pue. Explication. Regarde, écoute... T'as entendu? Ouais, bah oui, j'ai entendu, on peut pas. Est-ce que tu as sentu? Oui, j'ai sentu, j'en ai plein le nez là de vos baffes. Et bah voilà, tu comprends pourquoi c'est ouvert. Ah ouais, non, mais ouah, elle vient d'arriver là, wouhou! Pâche! C'est. En fait, ça fait tomber les murs quoi. Oh, moi je me sens un petit peu plus léger. Mais maître, moi ce que vous me dites, c'est des conneries. Faux. Mais si, les méchants... Le danger arrive d'en face, de droite, de gauche, on les voit arriver, je veux dire, quand... Même de derrière. Putain, oui, non, mais c'est bon, celle-là, je l'ai pas vu venir. On les verra un jour. Bon, maître, faites quoi, là? Ça fait 20 minutes que je parote. Je me recueille. Vous recueillez, le cimetière c'est pour ça. Bah ouais, on se recueille. C'est marrant, pourquoi il y a que des petites filles? Il s'agit de mon plus grand, mon plus ancien élève, le plus humble et le plus digne. Ah ouais, c'est ses victimes quoi. Qui habite à Saint-Nicolas-de-Port, tu connais Saint-Nicolas-de-Port? Là comme ça me dit rien, encore un blaireau. À côté de Nancy, Saint-Nic. Ah. Saint-Nic. Oui, c'est bon. Oui, je vois de qui vous parlez. Voilà, donc c'est Eric le doc. Ouais, non, mais c'est bon. On peut y aller, là, il n'y a plus de musique. Ta gueule, 2 secondes. Re-ta gueule. On peut y aller. Mieux. Maître, là, le soleil va bientôt se coucher. Je peux vous poser une question? Non. Allez, une question, quoi. Non. Mais j'en ai pris plein la gueule toute la journée avec vos baffes, là. Non. Mais une question, quoi, allez. Tu comprends le sens du mot non? Vous me devez bien ça, quand même. Une petite question. Non. Allez, une question. Bon, vas-y, une seule. Pourquoi vous gardez vos lunettes de soleil sur les yeux? Tu vois un intérêt à te mettre dans le cul? Non, c'est vrai, ça fait mal en plus. Et voilà, c'est la dernière de la journée, super. On attend qu'il fasse mieux. Et voilà. Oh la vache, putain, ça grimpe. Et merde. Ah, j'ai oublié d'être un aspirateur. DPJC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care.